pas. Mon pauvre, pauvre. Pauvre ami. Il a subi. Eh oui, j'ai eu un petit pépin. Non? Mais merde, quoi, c'est pas vrai, quoi. Foutez-moi la paix, des chiens, vous êtes combien? Ah, oh, j'arrête pas à me battre, en fait. Un jour, il faudra que tu m'expliques comment tu fais. Aloy, tu es une femme de parole. Olin, ta famille... J'ai vu la menace d'Elys. Tu as une femme et un fils? Si je les avais protégés au lieu de faire tout le reste... Tu peux les sauver, Olin. On est là pour ça. Tu as raison. Je suis content que tu sois là. Ils sont retenus près d'ici? Oui, dans la ferme, derrière ces rochers. Suis-moi. C'est là, le bâtiment sous l'éperon. Ok. Ne pensons pas aux précédents occupants. Trop tard. J'y pense déjà, tu vois. Ah, c'est là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Aloy, non. Derrière le rocher. Attends. C'est horrible. Me retrouver aussi près d'eux. Et pourtant... On va les sauver. Combien de soldats de l'Éclipse? De ce que j'ai vu, un bon paquet. Avec armes et armures. Des archers sur les saillies. Mais pas d'espace pour leurs démons-machines. Tu as bien observé. Quel est le meilleur accès? Si j'étais doué en matière de stratégie, tu crois vraiment qu'on serait là en ce moment? C'est pas faux. On charge la porte principale, à la Océram. Ou bien par les côtés, ou alors par la saillie. Peut-être que tu pourrais passer par les toits. Mais pas moi, je suis beaucoup trop lourd. C'est vrai. Tu veux que j'y aille seul? Tu en serais bien capable. Mais avec l'éclipse, il faut toujours s'attendre à un coup bas. Alors je préfère surveiller tes arrières. Non. Attends ici. Sois prêt à me suivre dès la fin du combat. Pour ça, je serai prêt. Bon. Bah c'est parfait. Non, je suis bien chaud là. Après mes... Après mes combats de... contre ces bestioles là. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va. C'est parce que... Foiré. Loupé. Entre mon oreille et ma tête. Ah ah ah. J'ai plus de place, ça c'est normal. Ok. C'est forcément là que se trouve la famille d'Olin. C'est verrouillé. Un des membres de l'éclipse doit avoir la clé. Bah voilà. On va mettre une clé dans une serrure invisible, c'est génial. Oh.
On a entendu le boucan dehors. Tu n'es pas des leurs. Qui es-tu? N'ayez pas peur. Je vais vous sortir de là. Je n'avais pas perdu espoir. Mais il commençait à s'émousser. On peut sortir sans risque? L'éclipse est neutralisée. Nous sommes sauvés. Je voulais qu'on s'échappe. J'ai tout envisagé. Mais ça aurait mis mon fils en danger. Tu as survécu. Tu l'as protégé. C'est tout ce qui compte. Bon, ton mari vous attend. Olin. Je n'entendais plus de combat. Olin, tu l'as mené jusqu'à nous. Merci. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait de mauvaises choses. J'ai fait un pacte avec le diable. Et d'autres ont payé pour moi. Tu crois que je ne le sais pas? Je l'ai entendu. Tu sais, j'ai toujours eu de la terre sur les mains. Maintenant, j'ai du sang. Je veux que tu prennes ton fils dans ses mains. Rentre avec nous à la requête. Tu devrais écouter ta femme, Olin. Mais Elys, et ses démons. Je me dois de te venir en aide, Aloy. Je ne suis peut-être pas grand-chose, mais je te le dois. Olin, oublie tes dettes. Tu ne m'es plus redevable. Va avec ta famille. Montre-leur l'homme que tu es. Adieu, Aloy. Ta mère, j'espère que tu la trouveras avant eux. Oui, pas de soucis. J'espère que je vais la retrouver, mais... Tu vois le gamin. Bon, c'est mon sosso, c'est génial, c'est magnifique, iha. Du coup, ici, j'ai la quête, là. Se rendre au pont près de... D'accord. Et là, c'est quoi, rejoindre... Fécation sur la route. Bon, il faut juste trouver un... si, il y a un près d'un camp. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Mais j'ai déjà fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je veux voir ce que c'est, parce que ça m'intrigue. Comme quoi, je l'ai pas parlé. J'ai pas rendu la quête? Mais non. Impossible. Des fois, j'arrive pas trop à savoir quel âge elle a. Trop deviner quoi. Est-ce qu'elle est une adolescente ou est-ce que c'est une jeune femme? Une femme tout court ou je sais pas en fait. Des fois, elle dit des trucs vraiment très sages et tout. Tu dis ok. Mais des fois, il y a des phrases qui disent, je me dis, mais Ndachia, t'as quel âge, gamine? Oh, ça me rend dingue. Mais bon. Tu es une très bonne guerrière, et puis... Oh purée. Hey, ils sont encore surpris. Ah. Oh non, pas toi! Mais tu l'as tué, mec! Oh bordel de merde! Je t'ai déjà buté! Mais... Bon... Allez, on se lève. Mais c'est un boss, mais c'est pour ça que ça prend du temps à le buter. Ah.
Allez. Par contre, ça vaut la peine, regardez-moi ça. Ça en vaut la peine. Ah, bon. C'était un accueil intéressant. Du coup, c'était où déjà? Ah. Bon. Alors, c'était... C'est pas vrai. C'est là-bas en haut. D'accord. Prête pour un nouvel essai? Ah! Il faut que je m'en aille. Non! À la prochaine! Certes. Bon, je vais aller voir ton pote. Hein. On va juste prendre quelques trucs parce que là, je commence à avoir un peu beaucoup. C'est pas vrai. Alors. J'ai besoin d'autant de ce truc, quoi. Regardez-moi ça. Je n'ai pas besoin autant, quoi. Là, par contre, on a eu, je sais plus, 10 ce truc. Je ramasse quand même beaucoup. Là, c'est pour la fabrication. À la limite, je peux foutre moins. Je suis full partout. Là, c'est quoi? Comme trop. Des munitions d'objets, d'accord. La bluette, je n'ai plus. Enfin, j'ai une chier, quoi. Chaque fois, je ramasse plein. Chaque fois, je ramasse plein. Tac. Bon, on va déjà vendre ça. Ça fait plaisir. J'ai reçu une nouvelle arme, en fait. Celle-ci. Je peux pas améliorer différemment, là. Enfin, bon, je vais après. Et puis, je vais vendre ça aussi. Tant que je suis là. La moitié de ça qui est vide, quoi. J'ai de la place, ça, je peux vendre. Tac. Ça, c'est vendu. Ok. Merci. Il est magnifique. Moi, je dois y aller maintenant faire la quête là. Et cette quête là, c'est Hassan. Ah ouais, d'accord. Donc la carte.
Bon, ce que j'ai pu filmer, c'est vraiment tout plus intéressant. Autrement, j'en ai fait beaucoup de quêtes secondaires. Et j'en ai loupé deux ou trois, je les ai juste pas pris, quoi, c'est tout. Parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant. Voilà. Il faut dire ce qui est. Mais après, on va y aller. Après la quête là, on va y aller faire la quête principale. Qui est un peu plus haut que celle-ci. À moins que celle-ci nous va donner encore une autre quête pour le suivi, je sais rien. Aucune idée. On verra. Je sais plus du tout où j'en suis par rapport au temps. Mince. J'ai pas vu le temps pour la vidéo. Bon. Donc c'est ici. Je regarde s'il n'y a pas de copains. J'ai fait l'amélioration. J'ai tout amélioré au moins une fois, mais il me reste encore quand même ceci. Une amélioration ici aussi. Là, il y en a deux améliorations. Ouais. Et là, il y en a une. Donc, j'avance. Mais voilà, là, il me faut quoi? Peau de lapin. Qu'un dérivage. Bon, qu'un dérivage, ça se trouve, mais lapin, non, pas vraiment. Arrête de poisson. Là, il manque peau de renard. Et là, c'est peau de dinde. Voilà. Ah, c'était quoi, un renard? Un renard. Mais si, bouge pas. Ça apaisera ma faim. Oui. Un croisement. C'est sûrement là que Nassan devait retrouver son contact. On dirait qu'il y a eu une bagarre, mais pas de corps. Si on a traîné le corps de Nassan, il doit y avoir des traces. Ah, voilà. Voyons où elle mène. Ok. Pas trop près des machines, j'espère. Mais pour la peau ou les os, je sais plus ce qu'il y avait. Ouais, ça va en ville, ouais. Merde. Non, non, non. Un avant-poste de prochaine colonie. Pourvu que Nassan s'y trouve. Personne. Merde. De côté. Ici. Alors c'est cool, bravo. Je peux passer maintenant.
Je vais en avoir besoin. Voilà. Bravo, mon chou. Ils retiennent Hassan prisonnier. Je dois l'aider. On va pas se laisser faire comme ça sans réagir. T'as tout à fait raison. Ça continue. Ouh la vache, c'est quoi ça? Essayez de les pousser tout ce que tu sais faire. Oh putain. Ouh la vache, c'est pas ça. Non. Ok. Oh, le butin, yes. Kindiv m'envoie. Je vais te sortir de là. Moi qui croyais qu'il m'avait abandonné, je vais lui faire un gros câlin en revenant. Allez, par là. Ouh la vache. Ah d'accord. Mmh. Tu veux ce paysage quoi quand même. La vache. Bon enfin bref. J'arrive. Kindiv m'a parlé de votre action. La cargaison est perdue? Non. Elle est cachée pas loin. Il y a un paquet d'affamés à Brunand qui l'attendent avec impatience. Bien. Bon, écoute. Quand tu rentreras à Méridian, va parler au noble Ravan. Dis-lui la vérité, et il t'aidera. Implorer l'aide d'un Aristo? Ben... Après ce que t'as fait, je vois pas comment refuser. Mais d'abord, il faut que j'aille à Brunand. Sois prudente. Ouais, ça marche. Je fais des réserves. Bon, le Pascal. Une, deux. Deux ici. Mais non, vas-y. C'est pas ça. Ok, donc, je dois y aller ici. Quoi? Tourner voir Ravan.
statue ici, un truc ici. Bon, bah, je peux aller voir Ravan. Vous voyez, il y a deux quêtes là, je les ai pas prises parce que bah, c'est une quête secondaire. Je vais faire quand je n'ai vraiment le temps. J'ai pas envie de les faire avant. Bon, je vais quand même attendre qu'il y a la quête principale soit juste un truc genre l'avant-dernière, et puis après, je vais faire toutes les quêtes secondaires et je vais faire la quête, la dernière quête principale, quoi. Comme ça. Le X, c'est qu'il faut savoir, c'est quand est-ce qu'elle est, en fait, cette quête principale, l'avant-dernière. Pour ne pas faire genre, j'ai fini le jeu, ah mince, j'ai oublié les trucs, quoi. Je ramassais tous les fleurs en métal, tout comme ça, fait. Et également, pour avoir pas mal de babioles intéressantes, tu peux changer contre des stocks, tout comme ça, quoi, je sais pas quoi. Je suis un marchand. Alors, c'est cool. Aussi, les statuettes en bois, tu peux échanger. Soit chez marchand aussi. Donc c'est sympa. Au début du jeu, j'ai vraiment galéré pour avoir des sous, quoi. Mais là, je galère absolument pas. Et je suis étonné parce que dans l'inventaire, vous avez, je pense, 20 places. Je vais juste voir 2 secondes. Pour les armes. Allez, vas-y. La capacité des armes, par exemple, ici, 7 sur 20, en bas à gauche. J'ai cette arme, mais je veux dire, je n'ai pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres que tu peux acheter. C'est toujours les mêmes, mais la qualité est différente. Il y a du vert, du bleu, du violet. Donc. Voilà. C'est par là. Si l'isolement les mettait au-dessus de nous. Non, c'est pas ça. Un certain Nassan est venu me voir. Et nous avons conclu un accord. Un accord qui devrait aider beaucoup de gens à Brunante. Dire que tout ça est parti d'un vol. Comme on dit, suis l'ombre et tu trouveras une lueur. Toi, donc vendre. Vous voyez les armes, c'est toujours la même chose en fait. Des arcs, des lance-cordes, arcs, frondes, lance-câbles. Ça, c'est les quêtes. Les crotales. Ils auraient pu trouver un autre nom, franchement, parce que Crotal, c'est pas très cool. C'est méchant, je sais. Bon, non, deux places, ta vache. Ça va vite. Ça va vite. Faire un choix, quoi. Bref. Donc la carte. Là, j'ai aussi un autre... Il est loin. Il est pas si loin que ça. Mais je peux le faire aujourd'hui en fait. Je peux le faire maintenant. Puis comme ça. Pour la prochaine fois, on va faire la quête principale. Ça peut être sympa comme ça.
Mais je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est vraiment sa mère? Ou pas? Je sais pas, c'est assez bizarre. Mais le diable, Olin, il parlait de justement de leur maître, autour des ombres, là, les cadres des ombres. Ils ont le diable, je sais pas quoi, qui est leur chef. Est-ce que j'ai quelque chose ici? C'est yes! Il ne m'a plus que ça, les trois là. C'est génial. Arrêt de poisson. Peau de lapin. Et puis peau de dinde. Et canne de rivage. 200, la vache. Donc. Ouh, j'ai un truc, attends. Voilà, j'ai pas besoin de monter de l'escalade. C'était... Non, faut que j'aille à gauche. Il faut que je tourne à gauche. Attends. Ah! Attends. Il a carrément besoin d'aide là. De l'aide! Voilà. Doucement. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Accorde! De l'aide pour Belvédère. Les étincelles attaquent. Mon frère va mourir. Tout le monde. Pas si je me débrouille pour l'en empêcher. Oula, ça a bugué. C'est loin. Oh. Ok. C'est pas tant grave. Bon, je crois tout déjà ici. Oh purée, zone de chasse. Oh. Bon, beaucoup de trucs à faire là. Un truc à la fois, s'il vous plaît. C'est ici? Oui, c'est ici. Je me rapproche d'un signal. La peau de dinde. Pas du tout. Et puis un qui se promène là-bas. Bien.
Alors ici. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a moyen de monter. Salut! Ah bah! L'entrée là! Merci de m'avoir indiqué l'entrée. Oh! La glisse! Alors, le creuset Zeta. Ok. C'est magnifique. Putain, c'est quand même bien fait. D'où elles viennent, j'apprendrai à les pirater. D'accord. Oh, t'es un gros bébé, toi. Oh la vache! Ouh! Putain! Foiré des gros! Gros, très gros. Il est très très gros. Et très très gros, putain. Très très vénère. Comment tu m'échappes, sérieux? Ah putain, ça pisse bien. Allez, allez, Aloy, on se casse d'ici.
Oh oui. Ça devrait me donner l'avantage. Putain. Le... Yahoo! Lâche-moi ça. Oh. Regardez-moi tout ça. C'est bon ça. Bon, on va récupérer un peu le matos, hein. Un petit peu de soin. Et puis on peut y aller. Magnifique. Des informations qui m'aideront à pirater plus de machines. Génial. Alors, Christo, c'est l'origine des intrusions dans les données des creusets? Il force les creusets à fabriquer des machines agressives de plus en plus dangereuses. La liste. Oh, comme c'était pas une bonne idée. Trophée obtenu, tout le noyau piraté. Oh, c'est vrai? Non. Oh, purée. Je n'ai même pas rendu compte, tiens. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Grave majeur. C'est obligatoire. C'est rejoindre le domaine familial de Ranaman. Ça, c'est tout, c'est des quêtes secondaires en fait que je vais faire plus tard. Oh putain, bien plus tard. Ah bah, je peux faire maintenant. J'ai déjà rendu là-bas. J'ai déjà un feu de camp actif. Bon, on va aller voir si on peut sauver les gens. Et le frère du mec, quoi. En grosso modo, je peux maintenant pirater toutes les machines. Même les plus grosses. Ouais. Des étincelles. C'est sûrement Belvédère. Oui. J'ai venu ici pour trouver justement le... Grâce aux modifications de ma lance, je peux pirater les étincelles. Ouais, mais d'abord il faut les...
ces étincelles attaquent. Il faut que je parle à la personne qui dirige tout ça. Je t'ai appelé ou bien ? Parce qu'il y a une... Il y a un truc ici. Est-ce que c'est... Merci. On est épuisé. C'est la troisième vague depuis ce matin. Ah bah la vache. Ils l'ont où ? Tu es tombé du ciel et tu as sauvé nos misérables vies. D'où tu viens ? Un certain Akurt m'a prévenu, devant le village. Ce traître ! Je lui avais interdit de bouger. Je vais le mettre au fer. Il est mort. Quoi ? Cette raclure d'imbécile de vaurien qui me sert de frère. Pourquoi il n'a pas écouté ? Pourquoi ? Il avait peur pour toute la ville, autant que pour toi. Tu as une idée de ce qui peut attirer les étincelles ? Il y a eu un changement qui aurait pu attirer les étincelles ? Vous avez laissé des restes de machines ? Non. Les Océram récupèrent tout, pas comme les Karja. Ils ne gardent que ce qui est joli. Les Karja laissent traîner des carcasses. Ici ? Jamais. Si un Karja cachait des pièces sous mes yeux, je les ramasserais. Et je les lui ferais bouffer. Pourquoi tu crois que les Karja ont un lien avec ces étincelles ? On a bâti cet avant-poste pour se protéger des Karja, et voilà qu'ils viennent ici pour commercer. Bon, je vais pas cracher sur leurs éclats. Mais tout le monde sait qu'ils veulent cet endroit. Quand on y pense, ils veulent toutes les terres. Mais comment les Karja auraient amené les étincelles ? Si elles veulent bien me laisser tranquille, j'essaierai d'envoyer un de mes gars suivre la piste. Je te le parie, il va tomber sur un Karja au bout. Quel est ton rôle ici ? Je suis le maire, en partie parce que j'étais trop saoul pour dire non comme mon frère m'a demandé. Dis-moi où il est, et j'irai l'enterrer une fois qu'on sera débarrassé de ces étincelles. Tu le trouveras un peu au sud, le long de la rivière. Quel imbécile! Vraiment, quel crétin! Merci d'avoir été à ses côtés. Quelqu'un est venu pour vendre des leurres? C'est des appareils qui attirent les machines. Ça existe ? Ou c'est un genre de blague de Nora ? Je prends ça pour un nom. Tu veux que j'enquête sur ce qui pousse les étincelles à attaquer ? Tu as déjà beaucoup à faire. T'es sérieuse ? Personne ne me propose jamais son aide. T'es douée pour le pistage ? On peut dire ça. Bon, très bien. Tiens-moi au courant. Ma main au feu, il y a un Karja derrière tout ça. Certes. Bah on va vérifier, écoute. Alors, je dois y aller là-bas. On n'a pas mérité ça. Une pièce rare. Mmh. On a frôlé la mort. Toute la ville. Cet appareil émet un signal. C'est peut-être ça qui attire les étincelles ici. Justement. Je suis heureuse que quelqu'un ait pu mettre un terme à ça. J'ai déjà vu ce truc. Qu'est-ce que tu fabriques ? Par le soleil, il ne s'arrête pas !
Cet appareil pousse les étincelles à attaquer. Arrête-le. Moi ? Je ne sais pas l'éteindre, je ne sais même pas comment je l'ai allumé. Je l'ai trouvé dans un vieil atelier. Comme ça. Ah, bon, ça devrait aller. Maintenant, explique-moi. Pourquoi prendre du matériel que tu ne comprends même pas ? Mes clients exigent des pièces extraordinaires, toutes issues des confins de la civilisation. Le récit de mes aventures augmente encore leur valeur. Là où les autres n'osent s'aventurer, je prospère. Aucune montagne n'est trop haute pour que je l'escalade. Mon métier exige des sacrifices. Y compris le sacrifice d'innocents ? Ces étincelles se sont mises à attaquer tout le monde. Je n'ai jamais voulu provoquer ça. Je voulais juste assouvir l'appétit de grands bourgeois qui ne quittent pas leur palais. Tu as trouvé cet appareil dans un atelier ? Oui. J'ai campé au sommet de la crête de l'Est enneigée. J'aurais déjà eu bien du mal à grimper dans ma jeunesse. Mais j'ai enfilé ma... Ça suffit. Est-ce qu'il y avait d'autres appareils dans cet atelier ? Du matériel abandonné, comme je n'en avais jamais vu. Dont un silo étrange qui a obstinément refusé de se laisser ouvrir. En fouillant, je me demandais combien de secrets peut bien receler ce monde. Tandis que nous autres ignorants vaquons naïvement... Et donc ? Oh. Non, je n'ai pas vu d'autre appareil. Mais il pourrait y en avoir un sur le point de semer le chaos. Est-ce que tu savais depuis le début que cet appareil attirait les étincelles ? Par le soleil, non ! Je l'ai rangé ici un moment, mais quand je suis revenu, j'ai failli me faire décapiter par un de ces monstres volants. Cet appareil est dangereux. Il faut que je trouve cet atelier pour m'assurer qu'il n'y en a pas d'autre. Où est-il ? Sur la crête de l'Est, juste après mon campement. Mais une fois que j'ai eu quitté l'atelier, un craquement en hauteur a retenti, annonçant ma perte. J'ai plongé dans la rivière quelques secondes avant que l'avalanche n'emporte la piste. On ne peut plus y accéder. L'accès est devenu trop dangereux. Je vais prendre le risque. Ne t'approche plus de cet atelier et évite de causer d'autres problèmes. Mmh. Aïe. L'atelier, donc. Oh ! La vache. Bon, on y va ? Je savais que ça va me rapporter des ennuis, mais bon, c'est pas... On est là pour ça. Mais la vidéo va être un peu trop longue à mon goût. Je vais m'approcher un peu plus près de cet atelier, quand même pas si près que ça. Et puis après, bah, je vais filmer. Donc je vous dis à la prochaine. Passez une très très bonne soirée. Et puis voilà. Ciao.